C'est compliqué parce que bah, ça se passait dans sa chambre, qui fermait à clé, mais les attouchements poussés, ça se passait dans la cuisine, dans le presbytère, parce qu'il habitait le presbytère, je précise, hein. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Presbytère, voilà, c'est quand même un symbole aussi. Et ça se passait aussi en présence de mes parents, mais là j'ai beaucoup de questions, mais je les pose plus maintenant. Je n'aurai jamais de réponse, donc pour moi c'était comme ça. J'ai été auditionné par la SIAZ. C'est vraiment le plus beau moment dans cette histoire scabreuse. C'est le moment qui m'a le plus aidé. Et donc je suis arrivé en tremblant et je suis sorti profondément apaisé. Parce que j'ai eu le sentiment d'être vraiment écouté sur la longueur, avec des gens qui savaient entendre ce que je disais, qui reformulaient, qui cherchaient à comprendre sans aucun jugement. Comment se fait-il que dans une institution comme l'Église, qui se veut secourable, qui se veut attentive à tout le monde, qui se veut charitable, comment se fait-il que soit né autant de monstruosités?